De la houle en baisse, du vent offshore, et c'est l'été ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous, et bon samedi. Pour ce premier jour de l'été, le temps est variable, la température extérieure est à 16 degrés, la température de l'eau est à 19 degrés, la marée est actuellement en train de descendre, le plein bas est à 11h20 avec des coefficients de 70. Sur cette marée qui descend, le vent est offshore avec un secteur sud-est, il est faible à modéré, un beaufort établi, à peine deux sous les rafales, il n'est pas très violent. Le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses, la houle est propre, c'est une houle qui est moyenne à longue de 9 secondes de période. Là, vous voyez les grosses séries. Elle est orientée nord-ouest à ouest-nord-ouest. Elle est en atténuation. Elle est plus petite que ce que j'avais prévu, avec un déferlement qui est régulier à 40 cm, série qui rentre fréquemment à 50 cm, et les grosses séries à la hauteur de 70 cm. Petite vague sur zone, idéale pour débuter, en faisant attention aux autres. C'est surfable en petite planche si vous êtes un technicien énervé, sinon avec une planche adaptée. Cela est plus favorable. Il y a un petit peu de monde à l'eau, pas loin d'une petite vingtaine de personnes sur tous les spots. L'évolution pour le reste de la journée. La bouée Arcachon-Gascogne à minuit était à la baisse à 4, en légère baisse à 80 cm et 6 secondes. La houle va légèrement baisser tout au long de la journée. Le vent, lui, va se renforcer onshore modérément. Ce qui nous donne en prévision à 13h 50 à 70 cm en légère baisse. Houle nord-ouest à ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, vent d'ouest, 2-3 Beaufort, et à 17h, 50 cm, houle nord-ouest à ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, vent ouest-nord-ouest, 3 Beaufort, du surf et de l'action praticable toute la journée, mais plus dégradé cet après-midi, le meilleur créneau, il est ce matin. Le prochain point, il est à 11h30.